Bonjour à Bonjour tous. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter un intégral. Un Bavaria, plus exactement. C'est parti. Fiat 2 litres 3 en 160 chevaux, bien sûr collection 2021. Il a donc 4 places de couchage, 4 places de carte grise, une implantation en lit centrale. Il fait quand même 7,49 m, donc un beau bébé. Sur 2,30 de large, 2,85 de haut, bien sûr en 3,5 tonnes. Prix catalogue 72 900 euros. Deux séries. Il y a le pack luxe intérieur qui comprend volant et pomme au cuir. Les compteurs chromés, tableau de bord gris, commande au volant. Plus un pack confort, porte-cellule vitrée, centralisation, moustiquaire, moquette cabine. Et un pack Media 8, l'autoradio 8 pouces DAB, l'Apple CarPlay et l'Android Auto, la caméra de recul, les haut-parleurs en cabine et en cellule. Voilà, et le pack énergie 1. En option, on va trouver la motorisation 160 chevaux, la boîte auto, les jantes alu 16 pouces, le pack de luxe, l'intérieur, le confort, le média, le pack énergie, le pack SAT, le simili-cuir, les tiroirs en bas de caisse que vous allez voir en image juste en suivant et le bois brillant. On arrive à un total prix promo 81 900 euros. Donc un joli bébé. Donc porte double point, baie vitrée avec notre occultant, petit rangement ici, niche ici. On retrouve notre rideau moustiquaire et centralisation de la porte. Marche-pied électrique. Voilà, on va vous présenter la cabine maintenant. Alors, là... C'est quand même impressionnant. Un intégral. J'ai jamais conduit un intégral, mais alors. Ouf, il est loin là-bas. Il est très loin. Bon, eh bien, c'est un joli bébé. Ouais, c'est magnifique. Alors, nous trouverons déjà avec l'autoradio. Alors, là, nous sommes sur un porteur Fiat 170 chevaux. Boîte automatique. Compte tour chromé. Ici, les contours silver. Sur le côté gauche, on retrouve notre caméra de recul. Le réglage des rétroviseurs. Après, nous avons un joli volant, tout en cuir, avec les commandes au volant. Alors ça, moi j'adhère. Sur le côté gauche, nous trouvons les store et miss, et juste là au dessus, voilà,
nous avons celui qui est juste, qui protège le pare-brise. Pour le remonter, on appuie là, on déclenche. Mais c'est dur, hein. Hop, et voilà, ça c'est fait. La tablette, voilà, on l'a défait et j'ai mis mon téléphone. Comme ça, c'est vrai qu'on le montre jamais, mais bon, c'est vrai que c'est sympa de voir de temps en temps. Nous avons des éclairages sur le côté droit. Et le même ici, juste en haut, sur ma gauche. Voilà, c'est une très belle cabine. Boîte à gants réfrigérée. Après, on retrouve un rangement sur le côté droit, côté passager. Nous avons deux gros haut-parleurs sur chaque côté et qui sont reliés avec des haut-parleurs qu'on vous montrera tout à l'heure qui sont dans la chambre également. C'est très joli. Voilà pour la partie cabine. Et vu que c'est un intégral, on a le couchage juste au-dessus de la cabine qui se baisse. Voilà. Je ne baisse pas entièrement parce qu'il faut baisser les sièges. Mais voilà. C'est quand même un beau lit. Très joli, avec un éclairage tout à fait au fond. Et avec des petits rangements tout le long. Notre partie salon, donc salon face-face, tout en simili-cuir, avec notre table classique. On tire, on soulève, voilà qui bouge d'avant en arrière. Ensuite, donc, toujours nos baies vitrées équipées de stores moustiquaires et d'occultants. Nos petits rideaux. Ici, en dessous du lit, donc au-dessus de la cabine, vous avez des petits rangements. De l'autre côté, exactement pareil. Vous avez des petites liseuses qui ne sont pas tactiles, avec interrupteur, qui n'ont pas de port USB. Petit rangement ici. Petit mais très profond. On retrouve notre petite liseuse ici. Et là, sur le côté, juste en entrant à droite, nous avons une place assise face route. On va vous montrer comment il faut procéder. On va pas remettre les coussins parce que l'autre il est dans la soute. Mais voilà le principe. Voilà. Voilà, une fois tous les coussins mis, et ça c'est génial parce que c'est face route. Et dessous, nous avons également un rangement qui est accessible depuis la porte si on veut mettre les chaussures. Voilà. Ça par contre, très pratique. Moi, je trouve ça génial. On se déchausse, on met les chaussures, ça traîne pas devant. Et chose qui est bien chez Bavaria, c'est que c'est plus les scratchs, c'est des aimants. Parfait, rien à dire. Et de l'autre côté, nous avons également une place assise. Alors que ce ne sont que des aimants partout. Donc là, il y a un appui-tête qui se met. Voilà. On remet les coussins dans l'autre sens. Et vous avez votre place assise face route aussi. Génial. Voilà. Au-dessus de notre salon face-face, j'ai omis de vous le montrer tout à l'heure, on retrouve bien sûr un grand rangement.
Donc du côté de notre cuisine. Alors remarquez la justesse avec le porte-épices de la porte quand elle s'ouvre. C'est étudié pour. Voilà, un autre grand placard. Donc deux porte-épices. Petite liseuse en haut. Nous retrouvons donc une prise de 220, une prise 12 volts et deux ports USB. Suspense, deux ou trois. Bon, il n'y en a pas trop de suspense vu la longueur de la plaque. Il y en a trois. Et là, l'évier. Petit support torchon. Au niveau des tiroirs, tiroir assez grand. Hop là. Deuxième tiroir. Par contre, pour un beau bébé comme ça, il n'y a pas les freins. Troisième tiroir. Non. Confirmation. Un autre tiroir ici avec notre range couvert. Et un casserolier ici. Je me tourne de l'autre côté. On y découvre notre frigo Trimix avec une partie congélation en haut. Et une autre partie, donc frigo en bas. En dessous du frigo, un grand tiroir. Sur le côté de la porte d'entrée, on retrouve notre support télé réglable en hauteur. On y retrouve donc notre interrupteur qui va nous permettre sur la position 1 de pouvoir allumer, voilà, notre tableau de contrôle. Nos interrupteurs d'éclairage et notre commande pour le marchepied électrique. Au-dessus, notre commande pour le chauffage, un Trouma CP+, comme vous pouvez le voir. Interrupteur pour la lumière extérieure. Et ici, une patère à l'entrée. Au-dessus du frigo, un grand placard. Dans le plancher, on retrouve de nombreux rangements. Donc, il y en a un ici. Un deuxième identique ici. Celui-ci, par contre, ce sont nos eaux usées et nos eaux propres. Entièrement hors gel. La salle de bain, on retrouve une douche très spacieuse avec lanterneau. Pas de porte-serviette. Bon, avec le lanterneau, il n'y a pas trop la place. Un petit, mais alors un tout petit décalage avec le passage de roue. Bon, alors minime de chez minime, quoi. Avec une porte à battant. De l'autre côté, nos toilettes. Donc une porte habitation qui va permettre de cloisonner également la partie salon de la partie salle d'eau. Donc de ce côté, on retrouve nos toilettes pivotant. Ça change pas. Placard de rangement ici. Avec des petits plastiques pour que les produits ne tombent pas.
Et il n'y en a pas en bas, par contre. Dommage. Notre une prise de 120 ici. Petite tablette. Petite niche. De l'autre côté, notre lavabo. Et une deuxième étagère ici. Deux patères ici. Également un lanterneau. Un grand placard de rangement également ici. Et on retrouve notre support papier toilette qui est ici, là, sur le côté. Et qui donc ressort ici. Voilà pour la salle de bain. Donc tout à l'heure, vous avez pu voir qu'on pouvait cloisonner la partie salon de la partie salle d'eau. Mais on peut également cloisonner la partie salle d'eau de la chambre. Alors cette chambre, implantation lit central, on y retrouve deux grands tiroirs ici. Comme la plupart des lits centrales, si on soulève celui-ci, on va y retrouver des rangements dessous. Identique de chaque côté, donc droite et gauche, nos penderies. Une liseuse à droite, hop là. Et une liseuse à gauche. Vous remarquez dans les petits coins les haut-parleurs dont on vous parlait en vous présentant la cabine. Et des grands placards identiques aussi de l'autre côté. On retrouve tout à fait au fond deux ports USB. Deux ports USB. Une prise de 120. Et même ici, c'est un bouton où je pense que l'on peut en mettre une autre si on le souhaite. Donc on passe à la conclusion. On a fini pour cette partie chambre. On vous a présenté donc ce Bavaria, un intégral. Alors nous, ce qu'on en pense, moi j'adore les couleurs, j'adore le luxe qu'il peut y avoir dans cet intégral. On retrouve du cuir, on retrouve du simili-cuir, on retrouve des couleurs contemporaines, ouais. Il y a de beaux rangements, la chambre est claire, spacieuse malgré que ce soit un lit central. On peut définir chaque espace. C'est un véhicule pour ma part aussi, hein, qui... Bon, après il y a toujours des petits soucis dans les camping-cars au début, on le sait tous, mais c'est quand même quelque chose qui respire la qualité. Ah oui, hein. La qualité, l'espace, enfin il y a tout. Moi je le trouve magnifique cet intégral. Ouais, il est vraiment très beau. Après la tablette tactile, voilà, on ne connaît pas, mais elle a l'air d'avoir été simplifiée. Elle est simple. C'est comme un écran de contrôle normal, je dirais, puisque le peu qu'on a pu en voir, ça a l'air assez simple. Moi, très bien. CP+, parfait. Non, c'est vraiment un... Ouais. Bah après, voilà, le prix reste très onéreux. Hein. Il ne faut pas rêver. Si on veut de la qualité, il faut y mettre le prix aussi. Mais là, par rapport à certains autres camping-cars que l'on a pu voir, là, les 81 000 euros, je crois, il les vaut, quoi, parce qu'il est, il est qualitatif, il a de belles matières. Ouais. Et pour moi, le gros avantage aussi de ce véhicule, c'est que c'est un véhicule à double plancher, mais avec un vrai double plancher. Traversant, eau propre, eau usée, totalement hors gel. Et ça, c'est un plus, parce qu'en plus, le double plancher est chauffé, donc ça permet de ne pas avoir les pieds glacés sur le sol. Voilà, mais on espère que cette vidéo vous aura plu.
que vous aurez apprécié ces belles images et que vous aurez apprécié ce beau camping-car. Enfin, ouais. Nous, on l'a apprécié. Nous, on l'a apprécié. Et pourtant, on n'est pas du tout intégral. Nous, on est plus profilé. Ouais, puis mais... c'est vrai que c'est impressionnant. Hein, quand on est au poste de conduite, on a l'impression que le tableau de bord, il n'en finit pas, quoi. Ouais. Non, mais bon. On vous dit à la prochaine vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit pouce bleu, likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Mettez-nous des commentaires pour nous dire ce que vous en avez pensé de ce véhicule. Et on vous dit à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Bye bye.